tout le monde, c'est Enoravan2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Assassin's Creed Mirage. Alors, juste avant de commencer le jeu, un petit topo. Donc, Mirage, c'est le dernier jeu d'Ubisoft qui est sorti le 5 octobre. Et autant vous dire que j'en attends beaucoup de celui-là. Pour la simple et bonne raison que, pour ma part, Valhalla m'a énormément déçue. Je le trouvais très très long, je l'ai trouvé très répétitif. Alors, l'histoire des Vikings est super intéressante, mais voilà, chaque partie de l'Angleterre, chaque mission était identique. La fin m'a laissé vraiment, comme on dit, sur la fin, ça c'est clair. Et les DLC, alors la chasse aux médailles d'or, j'ai pas été trop fan de ça. A contrario, Odyssée et Origine m'ont énormément plu. La Grèce antique, l'Égypte ancienne, les décors, l'histoire était prenante. Alors est-ce que voilà, Bayek allait réussir à venger son fils? Est-ce que Cassandra Alexios dans Odyssée allait pouvoir s'affronter? Oui, non, qui allait survivre? On ne sait pas. Toujours est-il que, voilà, en tout cas, Valhalla, moi, m'a personnellement déçu. Donc, j'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce Mirage. Alors, on dit qu'il se fait en à peu près 20 heures. Donc, autant vous dire que c'est un jeu plutôt court comparé à Valhalla, où, pour ma part, j'ai passé un peu plus de 250 heures dessus. Donc on verra, on dit que c'est un sort de DLC, mais pas vraiment un DLC, voilà. En tout cas, Bassim, c'est clair, dans Valhalla, je l'ai aimé, détesté, entre guillemets. Donc je pense que son histoire, elle va être très intéressante, dans le Moyen-Orient. Donc ça va être très coloré, enfin du moins j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez coloré. Donc, ma foi, on y va. C'est parti. Alors, on nous demande... Ouh là là. Alors, je suis pas du tout daltonienne, donc je pense que ça va être plutôt bien. Ok. Difficulté normale, effet de sang, ouais. On va mettre ça. Ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on est plutôt bien, hein. Par contre, est-ce comment on va sur la suite? Ah, ok. Donc voilà. On va laisser en français, ça m'a l'air bien. Olé, olé, olé. Alors déjà, rien que, comme c'est à l'image du fond, là, je sens que je vais m'éclater. Je sais pas vous, mais... comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être très coloré et on voit que c'est... Voilà. On y va, on y va, on y va. Vous m'avez déjà interrogé au sujet de cette mémoire. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Mais cet homme a eu de nombreuses vies. Et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu. Pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient. Frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Bassim ibn Ishaq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles
d'être mise à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. Doucement, Basile. Respire. C'était le djinn encore? Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois? Me décoller la chair des os. Me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore. Courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui? Encore eux. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors. Du coup, ça fait le lien et je pense qu'il va y avoir un retour. Effectivement, on parle... Alors allons l'honorer, veux-tu ? Oui, oui, j'arrive. On parle de beaucoup de retour aux sources, donc voilà. Par contre, Basim, je l'imaginais pas comme ça du tout. Je sais pas, moi, dans Valhalla, il avait une autre tête. Donc je sais pas, je l'imaginais pas comme ça, mais en tout cas, superbe intro, ça c'est sûr, j'ai rien à dire. La fameuse barre en haut, elle est toujours présente, c'est nickel, on y va. L'heure est aux ombres longues aujourd'hui. Ne faisons pas attendre Derwish, je ne supporte plus ses remarques. Ses contrats, Derwish t'en a déjà confié beaucoup, tu ne trouves pas? Il sait qu'il peut compter sur moi. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur? Celle de ces gens étranges? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Qu'ils le montrent, alors. Tu prends tous les risques, Basim, et ils ne t'offrent presque rien en retour. Ce sont des libérateurs, Nihal. Des marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Waouh, en tout cas, c'est hyper verdoyant. C'est les maisons, elles sont bien faites. Enfin bref. Ok, donc course libre. Ok, on y va. On appuie sur A. Hop. Ok, donc c'est clairement pas la même chose que les autres. Hop, pardon. Donc là, je laisse mon doigt sur A tout le long. Bon. Et il fait le trajet tout seul. Bon, pourquoi pas. À propos de ce contrat, je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yah Sadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs, comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain, le nouveau Gilgamesh? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population et n'a récolté que le mépris
et l'oubli. Mais je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est vrai, c'est bien de le rappeler que c'est Ubisoft Bordeaux qui l'a développé, et c'est effectivement magnifique. Regarde ces couleurs très vives comme ça. Alors, ok, moi je me. Ces gens sont-ils d'humeur généreuse ? Pac. Ah, te vois venir. Un petit tour de main pour nous mettre en jambe. Si ce contrat doit nous affamer. Le califat pourra nous nourrir. Ce marchand-là. J'ai l'impression de sentir les épices du marché aussi, je sais pas pourquoi, mais. Ok, vision d'aigle. Parfait. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Hop, hop. Viens ici! Tiens-toi prêt. Je vais choisir mes cibles. Comme d'habitude, œil d'aigle et mains agiles. Un duo redoutable. Là, celui qui s'agite. Il doit transporter des objets de valeur. Alors, parce qu'on doit être aussi furtif que je ne sais quoi. Alors, pour dérober, donc on va utiliser la vision d'aigle, la proximité, appuyer sur Y et appuyer de nouveau sur Y au bon moment. Ok, on va essayer. Alright. Ok, donc il y a une sorte de QTE sans vraiment QTE. Là, près de cet étal. Elle a quelques pièces. Ah ouais, donc il faut quand même que j'active la vision d'aigle. Alors, on y va sournoisement. Hop ! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bravo ! Et vraiment le roi des voleurs d'Anbar. Serais-tu jalouse de moi ? À peine, ô grand voleur des rues. Tu es insupportable. Viens, Derwish nous attend. Ah, on va escalader. On va laisser comme ça, mais effectivement, il y a moyen de faire quelque chose d'assez beau dans le choix des graphismes. Ah, la corde, tout ce que j'aime. Ok. Ah, tant pis. C'est pas possible. Il y a de l'agitation. Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Ah. Des fables. Salut. Comment va ton genou ? Bien mieux, Basim. Ravi de te voir. Je l'ai bandé et laissé reposer, comme tu me l'as dit. Bien. Si tu n'en fais pas trop et laisses les choses s'améliorer chaque jour, tu te remettras parfaitement, tu verras. Ça t'est déjà arrivé ? C'est pour ça que tu sais comment soigner les genoux ? J'ai eu mon lot de plaies et de bosses, oui. Mais j'ai appris à les éviter. Fais-en autant. Vois-tu ? Tes sandales sont usées et elles ne peuvent s'agripper au sol. Et ce sont alors tes genoux qui en souffrent. Il faut en trouver de meilleurs. Et à ta taille ! Mais c'est loin d'être facile. Bon, les mosquées n'en manquent pas. J'en trouverai bien une paire là-bas. Ah, si tu ne trouves pas ça déplacé. Je m'en moque bien. C'est une affaire entre Allah et toi, Ya Sadiq. Des fables, à coup sûr. De belles prises aujourd'hui, Basim. Arlan, je m'attendais à une voix un peu plus grave de la part de Basim, parce que dans les derniers Assassin, il était un peu plus... mystérieux, on va dire, et je m'attendais pas à une voix aussi gentille.
Vaille. Voilà enfin notre paresseux, tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir après tout. Attends. C'est pour manger, d'accord? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Zayde. Elle met toujours beaucoup de beurre. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? J'ai peut-être besoin d'une petite aventure? Qu'est-ce qu'ils veulent? Un registre d'expédition au port. En soi, il ne vaut rien, mais les informations qu'ils renferment leur sont très précieuses. Un jeu d'enfant, tout ça. Ils n'ont rien de plus difficile. Je suis capable de bien mieux. Muselle un peu ton orgueil. Les gardes du calife sont présents en nombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Ton inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad. Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. En effet, pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. Grande surprise. Ce n'est qu'un messager, après tout. Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. Je les ai vus, avec tous les soldats qui défilaient dans... Allez, nous, on va continuer notre petite escapade. Et on nous dit que c'est par là-bas, alors on y va. Oui, je me débrouillerai tout seul, t'en fais pas. Pardon, madame. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu au total? 16 caisses, un coffre, une demi-douzaine de sacoches. Il ne restait que 3 caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons aux transporteurs jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre, on garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est? Alors, ils deviendront soupçonneux, et pour être moins visible, on appuie sur B, on s'accroupit. Je ne suis pas là. Assommé avec RB. L'assommé. Ok. Si on me voit, je vais devoir filer. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Hop, hop, hop. On va passer par là. Verrouillé. Allez, Dorota. Où est la clé? Ah, c'est lui là-bas qui l'a. Ok. Alors, elle est bien cette petite vision d'aigle là, parce qu'on a l'impression un peu d'être comme dans... Hitman. Alors, il est dedans. Est-ce qu'il est tout seul? Je ne peux pas rentrer par là. Non plus. Allez. Par où je peux rentrer, mes chers? Je cherche une entrée, mais j'en vois pas des masses.
Est-ce que là-dedans... Non, et j'ai pas d'armes, alors c'est plus compliqué. Cacher. On va se cacher dans le foin. Hop là. Et on y va. Où est-ce qu'il est, mon copain? Il est au-dessus. Alors là, il y a un coffre. On y va, on va monter. Waouh. Alors, on va aussi en profiter, hein, les pauvres. Donc il y a aussi une barre de santé. Alors ça, c'est très intéressant. On cherche la porte verrouillée qui est, on l'a vu, là-bas. On y va. Là, c'est sûrement ce que je recherche. Tout prendre, hein. Si jamais il y a besoin de... d'argent pour faire des choses. Je me demande quel secret renferme ce registre. J'arriverai peut-être à tirer de ce vieux grognon de Derwish quelques informations sur ce contrat. Et le copain, il est... à 100 mètres là-bas. Bon, effectivement, en tout cas, c'est très fluide. Donc, c'est pas mal du tout. Il y a effectivement beaucoup d'infiltration. Toujours entier, à ce que je vois. C'était beaucoup trop facile. Mais la voix du personnage me perturbe quand même. Avoir des yeux en ville nous serait utile. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, une tenue. Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenue? Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux? Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez. J'en suis certaine. Payez le garçon. Pour voler quelque chose, je suis là. Delouis, je peux le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi. Tu as deux postes vacants. Pas faux. Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Deloïche. Écoute, Basim, si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Pourquoi t'entêtes-tu à te comporter ainsi? Comme quoi?
comme un mendiant, désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix? Je sais ce que je fais, Nihal. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues aux pieds sales. Pourquoi t'entêter? Pourquoi vouloir suivre cette voie? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui vole des bourses. Mais ça, il n'arrive pas encore à le voir. C'est raté, Jassib. C'est quoi, ça? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Fouiller dans leurs affaires et tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné? On a pêché sur le port toute la matinée, mais on n'a rien attrapé. Le port? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre, par hasard? Ah oui, un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour la porter au palais. Shukran lakaya, Jassim. Que comptes-tu faire? Ils veulent ce coffre? Je vais le leur apporter. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors nous allons le faire ensemble. Si tu te fais prendre au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Il nous faut un moyen d'entrer. Et je crois avoir une petite idée. Enfin, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup de cinématiques, hein. Alors, on va le voir, ce palais d'hiver. Ne te sens pas obligé, Nihal. Je sais ce que tu penses de tout cela. Que c'est de la pure folie, oui. Mais je n'arriverai pas à t'en empêcher. Donc, je vais venir avec toi et te harceler jusqu'à ce que tu abandonnes l'idée folle de voler un coffre. Un coffre au palais. Au palais d'hiver du calife. T'entendre le dire ainsi me donne plus envie encore. Bon, on y va ou pas? Je te suis. Allez, on y va. C'est une mauvaise idée, Basim. D'ailleurs, si tu réussissais, s'il t'accueillait parmi eux, qu'arriverait-il? Tu nous oublierais? Bien sûr que non. Nihal, leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres. Tes intérêts, mes intérêts, ceux des laissés pour compte qui doivent se contenter de miettes et d'eau croupie. Vous pourrez la quitter, cette vie, grâce à moi. Pourrait être celui qui permettra à Jassib d'utiliser ses talents pour devenir un artisan. Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement, comme mon père l'a été. Et à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. En tout cas, cette fonction de pouvoir dérober les bourses, elle est pas trop mal, hein. D'un monde qui ne peut exister. C'est là où nos avis diffèrent. J'ai l'impression d'être dans Aladdin. De Walt Disney. Bienvenue à toi, Basim. Alors, est-ce qu'on a accès à une map déjà? Ah, on a une map. Ça, c'est pas mal du tout. Ok, c'est immense. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Oh, ça va encore. Non, je pensais que c'était plus grand. Non, ça va encore. Ok, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Et donc, on a en plus un petit rajout sur l'histoire de Bagdad. Donc ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse. Donc c'est pas mal. D'accord. Non, ça va, la map, elle est pas trop grande. Je vois aussi que c'est par section. Donc à mon avis, ça va être un peu comme dans tous les Odyssées, hein. Notamment Valhalla, où il va y avoir certaines missions, des collectifs, peut-être un peu d'animus. Mais il n'y a pas trop de sections encore, ça va. Donc, effectivement, je pense qu'en 20 heures, comme annoncé par les développeurs, ce sera fait. Alright. À toi l'honneur. Alors, on y va. Thank you.
quelle idée de maintenir A pour pas avoir à chaque fois appuyer, réappuyer, c'est pas mal du tout. C'est une bonne chose. Ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Ah, y a pas à dire, hein. Ils ont fait un sacré travail à Bordeaux. Toi, d'agréables souvenirs. Agréable, oui. Chapeau, chapeau. Il n'y a pas si longtemps, nous comptions notre butin ici, sous le couvert de la nuit. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grande porte. C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne. Attends ! Alors, donc là, on va donc s'infiltrer au palais d'hiver. Ils ont besoin d'un coffre volé. Jazib a vu des gardes la porter au palais d'hiver. On ignore ce qu'il contient. Nahel sait comment entrer dans le palais. Mais il y a peut-être un autre moyen. Et le moyen de s'infiltrer, c'est par les fameux souterrains ou mines, ou cavernes, ou grottes, peu importe. Ce sigle, on le connaît. Et ça, par contre, je ne le connais pas. Bon, on va apprendre, on verra bien. Alors, nous, on parle d'un sigle par là. Ah, c'est ma collègue, ok, autant pour moi. Nihal, tu t'es décidé à suivre mes traces, Basim ? C'est une bonne idée. Je sais que tu as horreur d'être seule. Alors, moi j'essaye juste de trouver la grotte peut-être, mais apparemment elle est pas par là. Si je mets la vision d'aigle... Je vois pas le sigle non plus de la caverne. Ok. Ouvre ton œil, d'accord ? Et des lentilles à la sauce au citron, à la grenade et au citron vert. J'ai redé le vol. Chut ! J'ai entendu quelque chose. La grotte, je ne la vois toujours pas, mais on va la suivre, hein, parce que je vois pas trop mon passé. Il y a un petit halo blanc là, quand on est proche des ennemis, donc ça c'est bien, ça fait penser aussi pareil à Hitman. Ça c'est pas trop mal. On sait plus ou moins où ils sont par rapport à nous. Je ne vois toujours pas cette fameuse grotte. Je la suis, hein. Bon, moi je la suis aveuglement, alors je sais même pas s'il y a quelque chose, quelqu'un. Tu as vu les invités ? Quelles étranges tenues. Mais tais-toi donc, tu ne fais qu'attirer les ennuis à moi comme ça. Pourquoi s'habiller comme ça ? On a fait pourtant. Ok, c'est par là-bas. Sans disposer d'une clé. Cherche dans les alentours. Alors, vision d'aigle. Où est la clé ? Elle est là. Elle est sur lui. Ok, donc on va attendre qu'il passe.
Il ne passe pas. Ah si. Ah c'est lui, il s'en va avec ma clé. Donc effectivement, l'infiltration, là, c'est vraiment le mot d'ordre de ce mirage. Appelez-moi Hitman, les gars. Alors, tu as trouvé une clé ? Bien sûr, j'ai trouvé la clé. Qu'est-ce que tu crois ? Le calife a l'air préoccupé. Avec un fils aussi turbulent. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non? Autant le laisser se promener. Et répondre à ses besoins. Cette réunion doit être brève. Et voilà. Viens. Par ici, le calife vous attend. Ils sont arrivés, Maolé. Dehors, tous. Je dois les rencontrer seul. Père, laisse-moi rester. Emmenez-le. Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient. Messieurs. Oula. Bienvenue. Tout est en ordre. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte, ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, calife, prépare-toi. Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Est-ce bien compris? Oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Voilà notre chance. Ok, allez, on repart. Quelqu'un approche. Par ici. Tout est calme. Ah. Je la vois même pas partir. On n'aurait jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. On pourrait en gratter un morceau et le vendre sans plus avoir. Moi je vole tout, hein, on sait jamais. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Allez, Basim. On ouvre, on vole, on file. Basim, vite! Basim! Donne-moi ça! Non! Non! As-tu la moindre idée de ce qu'ils vont me faire? Pitié, je suis désolé! C'est ta faute! Non! Pitié! Tu n'es qu'un sale petit voleur!
Waouh. Cours. Nihal, attends. Père. Attrapez ce gamin. Allez, on y va, on y va, on y va. On court. Le calife est mort. Trouvez ce gamin. C'est bon. Je couvre de l'endroit. J'appuie, mais ça a pas l'air de marcher. Ah, c'est... C'est par là. Personne ne passera ici. Où c'est vous? Alright, alright. Je sais pas du tout où il faut aller. Une montée en hauteur quand même. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Ah, je suis coincé sous la tente. J'ai peut-être pas pris le chemin qu'il fallait, moi. Nihal, elle a... Qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est pas grave. Nihal? Calme-toi, Basim. Nihal? Non, pas vraiment. Te sens-tu bien? Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Cet objet, il m'a fait quelque chose. J'étais dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Ça a été un accident. Je n'ai pas voulu... Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais, à l'ouest. Quoi? Non, je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Réfléchis, Basim. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse de te chercher. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la. Nihal, Deluige, ils sont tous en danger. Ok. Les soldats frappent ceux qui me ressemblent.
Alors, on est dans une zone dangereuse. Ok, donc on va essayer de passer en hauteur. Pardon. Ouais, alors là, la filtration... rien du tout. Et je me baisse. Ah non. Bon, j'ai pas le choix que de me battre. Wow, il est en train de me... Comment je fais pour esquiver? Ah, ok. Voilà, pardon, j'ai pas eu le choix. C'est pas ça l'infiltration. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. En l'occurrence, j'avais pas beaucoup de moyens. Oh non. Basim ! Basim ! Ne regarde pas ! Il n'y a rien qu'on aurait pu faire. Rien ! Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé ! Mesure bien la portée de tes accusations, Basim. C'était ton idée d'aller voler ce coffre au palais. Tout ça pour impressionner tes amis. C'est moi qui nous ai sauvés. Mais tu les as tués. Toi, seul. Là-bas, avec moi. Je prie de ne jamais revoir ton visage. Vite. Ils sont tous morts. Tu es à moi. Alors que c'est moi qu'on voulait chercher. Bon, alors on va courir. Non. On va se mettre à l'abri. Rends-toi, petit! C'est inutile de te cacher! Voilà. Ah! Premier succès débloqué qui s'appelle le voleur de J'ai pas eu le temps de lire et dont on a. Attendez, le voleur d'Ambar. Le roi des voleurs d'Ambar. Prologue terminé. Est-ce que c'est lui? Je crois bien. Il fera l'affaire. Debout.
Alors apparemment j'ai aussi gagné un défi, mais qu'importe. En tout cas, première heure de jeu terminée. Donc voilà, ça nous a permis de voir le prologue. Prologue très intéressant, où effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'infiltrations. Donc à voir si sur la longueur du jeu, Ubisoft nous promet ce fameux retour aux sources. En tout cas, les graphismes, enfin les couleurs et le paysage est vraiment très 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 bien fait. Je rappelle que c'est fait par Ubisoft Bordeaux, donc pour ça, chapeau. L'histoire, ben voilà, elle demande à être découverte. En 20-25 heures, le jeu est bouclé. Donc je pense qu'il y a moyen voilà, d'avoir un petit quelque chose d'assez sympathique. C'est pas un jeu, c'est pas non plus un DLC, c'est un entre-deux, mais qui va nous permettre, je pense, d'aller vers autre chose. Et vraiment, Mirage, c'est plus un intermède, on va dire, entre Valhalla, Odyssée, Origine et compagnie, et un intermède vers quelque chose d'un peu plus énorme de la part d'Ubisoft. En tout cas, cette idée, voilà, de pouvoir détecter les ennemis grâce à un petit halo blanc, voilà, me fait vraiment penser à Hitman, donc ça c'est assez sympathique. La vision d'aigle, elle est quand même assez bien faite. L'idée de pouvoir aussi dérober les bourses est un petit plus, et me fait vraiment penser aussi au monde de Disney avec Aladdin. Alors, c'est très nul comme référence, mais voilà, ça me fait penser à ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce qu'il en est des combats, parce que pour l'instant, bah, dans le prologue, on n'en a pas vraiment vu. En tout cas, comme on l'a vu aussi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez fluide, en tout cas dans les mouvements, dans le mouvement du personnage, dans le mouvement de Basim, avec cette idée d'appuyer longuement sur A, et que lui, automatiquement, fasse les trajets, fasse les sauts, fasse les escalades, etc. etc. Donc voilà, ça demande à être découvert. Je pense que pour les fans d'Assassin's Creed, il y a moyen de passer un bon moment. Et les succès, de ce que je vois, succès trophées, n'ont pas l'air trop compliqués à obtenir. Donc non, vraiment, je pense que 20-25 heures, c'est faisable. Et je pense que c'est vraiment 20-25 heures de... pour passer un bon moment, en tout cas. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ce Let's Play. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, vous pouvez me retrouver également sur YouTube, évidemment, sur YouTube. On se retrouve très prochainement, alors soit pour un guide, soit pour un autre Let's Play, ou peut-être la suite. Je me tâte, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao !